Salut, bah c'est le Sinfest, hein. Je suis avec Peter. Salut Peter. Salut, bonjour, enchanté. Bah là, tu as le TR8S, donc c'est la nouveauté de Roland, hein. C'est super cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Roland TR8S? Bah, je pense que tout le monde connaît la TR8 que j'ai ici à côté, un module qui a trouvé beaucoup d'amateurs, en fait, de propriétaires en fait, qui ont acheté ça, mais qui ont quand même donné pas mal de feedback sur ce qui manquait pour eux, ce qu'ils auraient voulu pouvoir faire. Donc une des choses, la première nouveauté, c'est la possibilité de rajouter ses propres sonorités, ses échantillons, de les charger dans la bécane et de pouvoir les traiter dans la TR8, dans la séquence, la pouvoir retravailler, affecter avec les effets, filtrer, le decay, tout ce qu'on sait faire. Ouais, effectivement. En plus de ça, il y avait déjà la technologie ACB, si vous connaissez. Oui, Analog Circuit Behavior. Voilà, tout à fait, où on va émuler chaque composant individuel du modèle électronique. Ça veut dire la TR808, la 909, 707, 727, ainsi de suite, qui sont tous dedans, comme avant. Mais on reprochait la longueur des steps dans chaque séquence. Alors, on a fait x8. Ça veut dire que chaque pattern maintenant a 8 positions de chaque fois 16 steps. Ça commence à faire. Ça me permet de faire des sub-patterns, par exemple, mais aussi avec une autre nouveauté qui est le last step. Et le SOP qui me permet de changer par instrument le nombre de steps. Alors, du multirythmique. Ah oui, si tu fais du polyrythme. Polyrythme, en fait, que tu peux faire maintenant. Ça, c'est une chose. Et en plus de ça, ils ont rajouté le motion recorder. Le motion recorder que je peux faire en dynamique, hein, ce qui me permet d'enregistrer tous les changements en temps réel ou par step. Ouais, donc ça rappelle des fonctions qui existent sur d'autres machines concurrentes. D'autres machines, oui, tout à fait, que je reconnais absolument, mais qui nous manquaient dans la TR8. Et malheureusement, on était au bout du niveau de calcul de cette machine, on ne pouvait pas le rajouter, alors on était obligé de carrément faire autre chose, une nouvelle bécane en fait, un step-up. Et en plus de ça, hein, comme tu peux voir, à l'arrière, à côté en fait de la sortie stéréo, on a 6 sorties de plus individuelles. L'entrée plus un trigger out, hein, pour mes systèmes modulaires. Je suis néerlandophone. Il n'y a pas de mal. Là, que je cherche mes mots parfois. Mais aussi les sorties assignables, on peut les utiliser comme trigger out. Ah oui, d'accord. Ça me donne en fait plein de possibilités. Et quand je regarde à la surface, là vous voyez la carte que j'avais introduite, MIDI in-out, USB, pour être connecté sur du mixage AERA ou sur l'ordinateur qui me donne en fait une interface audio multi in, multi out, plus un hub MIDI pour affecter tout en MIDI. Oui, donc ça fait beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Donc, en gros, là, le TR8S, il est compatible par défaut avec le MX1, c'est ça? Il sera compatible. Ah, il n'est pas encore. La MX1, elle nécessitera encore une mise à jour, ouais. Déjà pour le démarrage et la synchronisation. Ça marche. Bon, mais pour, en fait, qu'il le reconnaît comme multipiste ou comme multisource audio en USB, ça, on va encore le rajouter. OK, super. Tout à fait. Sinon, il y a un écran dedans maintenant, alors, ce qui me permet de voir beaucoup plus de choses. Hein. Si je veux affecter, si je veux, par exemple, aller chercher des échantillons de ma carte, les charger dans la bécane, ou de changer dans un pattern de kit complet, un kit que j'ai créé moi-même ou un des presets comme les TR et tout ça. Mais ce qui est bien, en fait, ce que j'aime beaucoup dans la bécane, c'est de pouvoir affecter des notes individuelles, chercher la valeur, le pitch, et puis une deuxième note, pouvoir la changer, et puis paf, ça le fait. Et ça permet d'avoir une variation qui est vraiment par step, et du coup ça et manquait effectivement. D'y revenir step par step et dire non, je vais quand même reparamétrer chaque paramètre, ce qui est bien. La partie contrôle en fait qui est assignable, j'appuie sur le bouton, paf, et je choisis ce qu'il fait. Si je vais faire du pan-pot, du delay, de l'envoi d'effets,
changer la longueur d'un échantillon, par exemple. Et ça, tu peux le faire par tranche ou c'est par le tranche. Même par tranche. C'est par tranche. Oui, oui. Donc on absolument. Peut avoir un paramètre sur la tranche 1, un autre sur la tranche 2, etc. Absolument, etc. Absolument. Ça, c'est super. Ouais, hein. Ça, c'est... Et c'est à peu près. En plus de ça, ils ont rajouté un pad dynamique à la vélocité qui me permet, quand je voyage, quand je travaille mon son, de pouvoir... D'accord. Avec différentes vélocités. Il y a de l'aftertouch aussi, sensible à la pression ? Non, il est sensible à la pression, mais disons, non, c'est pas du... C'est pas de l'aftertouch ? C'est pas de l'aftertouch, non. D'accord, non, ok. C'est juste la vélocité. Alors, en termes de sampling, là, on a quoi comme possibilité ? Ben, la longueur n'est pas trop limitée. Disons, je peux dépasser les 4 minutes par échantillon, si je veux. Oui, tu peux mettre au moins un ou deux shows... d'une ou deux heures dedans, si tu veux. Même pour les DJ, si tu veux, tu peux carrément en fait lancer des tracks. Quoi. Je vois qu'en plus on peut changer les couleurs là, parce qu'avant c'était aussi un problème, ça. Oui, les couleurs en fait de là, si moi je veux personnaliser les couleurs, en fait les couleurs des fades, je peux. Ouais. Ça, même dans le noir, quand je suis sur scène et je vois ça rien, te permet de voir exactement de où est quoi. En fait, ouais, là, j'ai mon échantillon parce que c'est vert. Je sais, OK, il se trouve pas sans devoir aller chercher dans le menu, malgré le fait que j'ai un écran. D'accord, ouais, je comprends. Tu peux le faire, ouais. Bon, bah, c'est super. Je te propose, si on peut l'écouter un tout petit peu, si c'est possible. Absolument, oui. Ouais. On the fly, c'est... Ça a l'air super en tout cas, ça a l'air éclatant. Moi j'ai hâte de tester ça, hein, très ouais. Clairement. Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube. Les sondiers, je pense qu'on devrait l'avoir entre les mains dans pas longtemps. Donc c'était génial. Merci beaucoup, Peter. Merci. C'était cool. À la prochaine. Ciao.